Rock'n'roll, hein. Bah oui, là on se trouve dans une station Hopkins. Et on se trouve même dans le bar de la station avec vue sur le spatioport. C'est plutôt sympathique. Hein, on va pas se laisser berner et tout ça. Regardez-moi ça, tous ces gens qui discutent ensemble. Tiens, une petite madame a-t-elle peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser? Pas pour le moment, non, pour le moment. Les seules missions qui m'intéressent, ce sont les missions de transport. Les autres, je ne peux pas vraiment les faire et je ne pourrais pas les faire tant que je n'aurai pas gagné au moins 200 000 crédits, ce qui me permettra de m'acheter une combinaison Maverick et donc attaquer les choses sérieuses. Voilà, une jolie barmaid, mais elle ne vend pas de boisson. Non, la jolie barmaid peut vous vendre, peut vous acheter des choses. Par exemple, des documents personnels, allez, 10 000 crédits dans la poche. C'est une mission que j'avais ratée, mais c'est magnifique parce que les documents, eux, je les ai gardés. Voilà. On est à 117 000, donc normalement, oui, on peut aussi lui acheter des choses, mais c'est pas de la boisson, hein. C'est pas des super cocktails multicolores ou. Une petite bière, non, même pas, graphène, aérogel, catalyseur chimique, des petites choses qui pour le moment ne servent pas à grand chose. Mais je suppose que pour ingénieriser toutes nos armes et nos combinaisons, ce sera bien utile plus tard. Au revoir, mademoiselle. À une prochaine. Bien, on va continuer la visite, hein, après tout. On va pas s'arrêter là. Oui, c'est rock'n'roll, hein. Ouais, c'est ce qui, la musique du bar, c'est très, je sais pas, ça doit être la collection de vieux vinyles de David Braben, ou je ne sais quoi d'autre. Encore des gens qui ont des choses à nous proposer, mais qu'on ne peut pas faire pour le moment. Ici aussi, alors ici, on achète les vaisseaux spatiaux, c'est magnifique. On n'a pas les moyens d'en acheter, donc pour le moment, on ne peut que rêver en les contemplant en hologramme, c'est magnifique aussi. Et la personne qui se trouve là-bas donc peut nous proposer des tas de vaisseaux qu'on ne peut pas acheter. Mais bien sûr, ça viendra, hein, n'est-ce pas, mademoiselle? Catherine Clark, elle s'appelle Catherine Clark. Oh, on peut même pas là. J'arrive même pas, non. On n'a pas le droit de communiquer avec elle, donc bon, on va. On va passer à autre chose. Arrête de rêver, toi. Allez, on continue par là. Alors, par là, nous avons Vista Genomics. Alors, ça, je suppose que ce sont tous les gemmes que l'on pourra récupérer à droite et à gauche quand on ira visiter les planètes sous oxygène limité. Alors, c'est pareil, la dame pourra nous racheter nos gemmes. Voilà, je voudrais vendre mes données organiques. Oui, non, pas mes organes. Hein. Oui, bah non, j'ai rien à vendre, hein, forcément. Hein. Voilà, oui, bon. À plus tard. C'est sympa la musique là, c'est très scientifique. On va continuer par là. On continue par là, vous voyez, là, on a. Tiens, comment il s'appelle celui-là déjà? Je sais plus comment il s'appelle, c'est un indépendant, je crois. Voilà, Frontline Solutions. Alors, Frontline Solutions, je crois que c'est engagez-vous dans l'armée, devenez mercenaire et allez crever sur le front. Voilà, Frontline, j'ai des récompenses de combat à encaisser. Voilà, non, pas pour le moment. J'aurai peut-être des récompenses de combat quand j'aurai une armure et des armes. Qui me permettront de combattre sans mourir. Alors là, on continue notre petite balade. Là, vous voyez en bas, il y a des ascenseurs. Ces ascenseurs seront sans doute utilisés quand nous aurons notre propre vaisseau. Pour le moment, il est bloqué dans un système voisin qui s'appelle Firenze, mais on peut pas y accéder. Non, on peut pas toujours tout faire quoi. Ça viendra aussi, hein. Ça viendra avec la phase 2 apparemment. Tiens, un bug. Oui, il y a des bugs des fois. Oui, monsieur est bloqué. Échappe, quitter, revenir au menu principal, relancer le jeu et tu seras débloqué, mon gars.
Ouais, c'est bête. C'est bête. Alors ici, on vend les armes, les combinaisons. C'est ici qu'on viendra tout à l'heure, enfin tout à l'heure, plus tard, acheter cette jolie combinaison qui s'appelle la Maverick, donc qui coûte 150 000 crédits. Et on est à 117 895. Il va nous falloir encore une petite mission supplémentaire. Mais elle a l'avantage d'être un peu plus costaud que ma pauvre combinaison de pilote que j'ai au départ du jeu. Et elle a un arc cutter qui permet d'ouvrir des boîtiers dans lesquels après on peut triturer les fils. Enfin, on fait comme, tout comme pour pouvoir ouvrir des portes qu'on ne peut pas pour le moment. Pour le moment, il faut feinter. Enfin, il y a aussi des armes, bien sûr. Des armes, il y a plein de jolies armes. Voilà, hein. Fusil mitrailleur. Ah non, c'est que ça c'est ça. Oui, ça c'est lance-grenade. Hein. Achat de l'arme impossible, oui. Non, mais de toute façon, j'en veux pas. Hein. C'est un lance-grenade, ça, je crois. Oui. Explosif, c'est ça. Alors, ça c'est. Fusil mitrailleur. Ça, je pourrais me l'acheter, mais non. Ça, c'est encore plus costaud. Hein. C'est la K47 du futur. Qui fait beaucoup de dégâts et beaucoup de trous. Des gros trous. Hein, des gros trous. Ça, ben, c'est l'espèce de saleté que j'ai en ce moment. Donc, ça fait des trous beaucoup plus petits. Hein. Enfin, non, ça fait quand même des gros trous. Mais pas rapidement, quoi. Hein. Ensuite, on passe au plasma laser en fait, laser. Alors ça c'est plus pour défoncer les boucliers quoi. Ça peut être utile aussi. Pistolet laser, voilà, et là encore plus petit. Donc, ouais. Tout ça, ce sera pour bien sûr plus tard. Ensuite, on a des améliorations, soit pour les combinaisons, soit pour les armes. Voilà, on peut améliorer. Les combinaisons avec des ingénieurs. Par exemple, la combinaison, là, je peux l'améliorer. Qualité maximale atteinte. Non, je peux pas l'améliorer. C'est vraiment de la merde, cette combinaison. Allez, on continue la balade. Oui, à plus tard. Ah, bonjour mademoiselle. Ça, c'est une joueuse. Wow, jolie avec la petite queue de cheval, là. Hop, on continue. Allez, on continue notre petite balade. Et on va aller chercher une mission. Oui, parce que c'est quand même le but du jeu, hein. On va pas rester dans la station à draguer les minettes. Et à écouter le rock de David Braben en buvant même pas de bière parce que la barman ne vend rien. Allez, tableau des missions. Voilà ce qui nous intéresse. Et donc la mission qui nous intéresse avant, je vous dis, d'atteindre la combinaison Maverick, c'est la mission transport. Transport, voilà. Donc là, on va regarder. Alors 62 000, c'est pas mal. Menace 5, c'est nul. 56 000, c'est pas mal. Menace 0, c'est plutôt bien. Alors dans quel système? ADGOC Pharmacologie. Est-ce que je l'ai dans ma liste? Oui, j'ai une liste qui permet d'aller dans des stations qui sont pas à l'autre bout du système, mais où il faut 15 minutes pour les atteindre. Et cette station n'en fait pas partie. On va continuer. Menace 5, non. Menace 4, non plus. Décidément. Menace 0, voilà. Menace 0. Alors, dans. Et la Schucks Doc. Et la Schucks Doc. Et la Schucks Doc. Et la Schucks Doc. Voyons si on l'a dans le. Dans la petite liste. Eh ben non, on ne l'a pas dans la petite liste. C'est vraiment ballot ça. Allez, on continue, c'est pas grave. On va en chercher une. Celle-là peut-être. Ben non, on vient de la faire, celle-là. Allez, celle-là. Encore la Schucks Doc. Ah, ça devient intéressant là, s'il y en a plusieurs. On peut faire des doublés là, 5 à 5, ça, oui, c'est peut-être intéressant ça. Voyons, voyons. Et la Schucks Doc encore? Oh, là, oui. Oui, il y en a 3 dès la Schucks Doc. Accepter mission. Donc, on va en prendre 3. C'est au même endroit. Donc, on va pas s'embêter, hein.
Non. C'était celle-là. Non plus. Ah, et où m'a lâché le doc? Ah, bah, il n'y en a plus. T'es en train de me dire qu'il y a une petite distribution. Là, celle-là peut-être. Non. Bon. Eh ben, on va aller à l'échec du doc. Hein? J'ai la distribution, c'est où ça? Eh ben, on va aller à l'échec du doc. Ça va sûrement être très loin. Hein? Bah, oui. Ça va sûrement être très loin. Allons-y. Donc, pour aller à l'échec du doc, comme je vous disais, notre super vaisseau Sidewinder, boîte de conserve étant dans le système Firenze à côté, il y en a vraiment qui sont pressés ici. Eh ben, on va être obligé, comme on ne peut pas changer de système pour le moment, phase 1 du de l'alpha oblige, on va être obligé de prendre le taxi. Bonjour, madame le taxi. Oui, je veux réserver une navette locale, parce que si j'aimerais réserver une navette non courrier. Eh, mais si je peux. Non, je peux pas. Réservation de navette impossible hors de portée, comme je vous disais. Comme je vous le disais, je veux réserver donc une navette locale. Local pour aller à l'autre bout du système, croyez-moi déjà, ça va nous faire un beau voyage. Hein. Et la Shuxdog, voilà, bien. Face à l'étoile C, on en a pour 20 minutes. C'est toujours comme ça. Allez, on sélectionne le point de débarquement. On arrive sur la petite planète. On sélectionne et la Shuxdog. On dit au revoir à la demoiselle. Oh là. Et on va chercher le taxi. Ouais, tout ça, c'est des joueurs. Ça, c'est des joueurs aussi. Voilà. Bonjour, messieurs les joueurs. Navette prête. Regardez-moi ça. Hein, ça traîne pas. Tiens, lui aussi, il prend le taxi. Allez. Hop. On prend l'ascenseur, un ascenseur hyper rapide, hein, je vous assure, le temps de se retourner, hop, on est arrivé, ça va très vite. Et voilà notre navette Apex qui nous attend, un petit hauler, hein. Bon, je m'attendais à un dauphin, au minimum, un orca, ça aurait été mieux, je n'allais pas jusqu'à un beluga, mais un dauphin au moins, ben non, c'est un hauler, dame. Pourquoi pas? Et c'est parti. Alors là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à piloter. Hein. On a une petite madame qui le fait pour nous. Ou un monsieur. Ah oui, on peut pas savoir. Avec la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace, ça n'a pas changé hein, depuis les années 80. Et voilà, on a décollé. Jolie planète à côté. Et c'est parti pour 15 minutes de balade. Profitez bien du parcours.
Bien, bien, bien. Oui. J'étais parti, mais je suis revenu, vous inquiétez pas. Je discutais avec la jolie fille à côté. À moins que ce soit un mec. Alors, on va faire un petit tour du côté des systèmes de navigation des vaisseaux spatiaux, parce que, ben, malgré qu'on n'ait pas encore accès au vaisseau, on peut regarder ceux des navettes Apex, oui. On est limité. Mais on peut par exemple regarder notre mission. Nos documents personnels à récupérer. Ok. De ce côté-là, c'est un peu plus intéressant. On peut regarder les petites modifications qu'il y a avec Odyssée. Vous voyez, deux rangs supplémentaires qui ont été ajoutés en dessous. Le rang de mercenaire. Et le rang d'exobiologiste, la dame qu'on a visitée tout à l'heure là sur la station, à mon avis, c'est elle qui nous rachètera justement nos données d'exobiologie quand nous pourrons plus tard aller jouer les fleuristes et plutôt les apiculteurs sur les planètes légèrement oxygénées, enfin légèrement atmosphérisées, disons. Ensuite, les modules, le groupe d'armes, le vaisseau, tout ça, ça n'a pas changé. Je me demande si on peut faire autodestruction. On va pas le faire quand même. Inventaire, donc l'inventaire, il y a des petites choses modifiées. Non, en fait, il y a des choses. C'est-à-dire que dans l'inventaire, normalement, on peut voir les objets que j'ai, mais comme je n'ai aucun objet. J'ai rien acheté encore, hein. J'aurais pu acheter des trucs comme des medipacks ou des cellules d'énergie. Mais je me fais confiance, j'ai pas besoin de tout ça. Et j'ai peut-être tort d'ailleurs. L'entrepôt, ça on sait pas trop ce que c'est. C'est la cargaison vaisseau qu'on peut donc en. On pourra sans doute transférer, je ne sais pas exactement à quoi ça servira, comment ça fonctionnera tout ça. C'est une nouveauté. L'état des factions, tout ça, ça n'a pas changé. Pour ceux qui connaissent le jeu, évidemment, c'est resté pareil. Donc quelques petites modifications, pas violentes. Voilà. On s'approche de notre destination à grands pas. Ah, j'oubliais. Ici, c'est intéressant. Oui, la configuration par défaut de notre combinaison qu'on ne peut pas changer quand on est dehors dans la station. Faut la faire dans le vaisseau. Bon, comme on n'a pas encore de vaisseau disponible, on peut la faire dans la navette Apex. Le taxi est sympa, il nous laisse nous déshabiller, nous changer à l'arrière. Il n'est pas trop chiant de ce côté-là. Donc, dans les configurations, nous avons donc la combinaison de vol par défaut, celle que nous portons. Et une config 1 de combinaison de vol que j'ai créée qui n'a pas le pistolet à fléchette qui nous est fourni au début du jeu. Et que je préfère prendre, ça va peut-être moins risqué. Au niveau de la planète, hein, de toute façon, s'ils nous tirent dessus, on est mort. Vaut mieux qu'ils évitent. Ou alors s'ils commencent, on court. On court très vite, hein. On prend nos jambes à nos coups et on se tourne pas surtout. Mais on devrait réussir à s'en tirer. J'ai fait une mission juste avant, je m'en suis sorti. Je compte pas évidemment le nombre incalculable de missions où je suis mort. Mais bon, hein, faut un début à tout. Allez, on plonge. On se jette dans le bain.
comme je vous disais, interdisant l'usage des armes. Donc, ça sert à rien d'emmener le flingue avec nous, on le laisse dans le vaisseau. On le récupérera plus tard, hein, vous inquiétez pas, il n'est pas perdu. Et de renouveau... C'est quoi déjà cette musique, la symphonie Ça y est, j'ai plus le nom. Le beau Danube bleu, le beau Danube bleu, voilà, je cherchais. C'est le beau Danube bleu, ça. C'est une valse que dansaient mes grands-parents. Ça. Non, mes parents, ils dansaient le rock. De David Braben. Quoique, non, plutôt d'Elvis. Enfin bon. Tout ça, hein, on s'en fout un peu. Allez, il est temps de débarquer et de se jeter dans la fosse au lion. Et nous y voilà. Donc vous voyez, à gauche, j'ai mon énergie, mon oxygène. Un truc qui est désactivé, j'ai pas encore compris ce que c'est. En haut, il y a le radar. Important, le radar, ça permet de trouver les endroits où recharger la combinaison. Parce que, comme vous pouvez le remarquer, on est déjà à 98%. Ça descend très vite. Hein. C'est pas aussi... Ça dure moins longtemps que nos portables. Donc, on y va tranquillement. Vous inquiétez pas, le drone ne s'intéressera pas à nous pour le moment. Tout comme les gardes qu'on risque de croiser. Là aussi, ils ne devraient pas trop nous embêter dans un premier temps. C'est après que les choses se corsent, évidemment. Bon, première chose, il nous faut un ordinateur, tiens. Un garde. Un gars qui court, ça, c'est sûrement un joueur. Et un Minitel. Oui, les Minitel, c'est intéressant parce que ça peut nous permettre de savoir où trouver ce qu'on cherche. En l'occurrence, c'est marqué en haut à droite. Vous voyez, récupérer la marchandise entreposée dans le conteneur 10 habitations dortoir. Donc, on va dans installation. La liste du personnel, on s'en fout un peu. Ça servira peut-être un jour. Mais pas dans l'immédiat. Habitation. Habitation, dortoir, il y a tout, hein, salle de bain, divertissement, hall, couloir, dortoir, voilà, dortoir, et nous avons un conteneur 10, conteneur 10, hop, il se trouve là, ce qu'il appelle conteneur 10, c'est conteneur casier 10, hein. Bon, faut pas chercher des fois, donc on fait clic, dessus, comme ça on a un marqueur dans la boussole et on n'a plus qu'à suivre le marqueur qui va nous amener directement jusqu'à notre petit conteneur. Voilà, alors là on a un petit conteneur médical, ça peut servir, hein, vous inquiétez pas, surtout que c'est cadeau, c'est gratos, donc faut pas hésiter, on en prend, hop, et on prend un deuxième, allez, et puis un troisième, hop. Ah non, on peut plus. Ouais, c'est limité. Hein. J'espère que dans la combinaison Maverick, on pourra en prendre plus. Là, on a une porte qui nous est inaccessible, tout simplement. Et nous, ce que nous cherchons, évidemment, c'est les petits points bleus que vous voyez là-bas. Il y a un petit point bleu, donc c'est par là. Ça veut dire que notre casier 10 se trouve probablement à l'intérieur de ce bâtiment. Oui. Voilà. Alors, évidemment, on peut pas rentrer par là. On peut pas. Bon, on va essayer de faire le tour. Comme vous voyez, des bâtiments qui s'appellent PWR, c'est Power, c'est donc la centrale d'énergie. Les bâtiments sont notés, c'est beaucoup plus facile, comme ça on s'y retrouve plus facilement. CMD pour commandement, etc., etc. Et donc il nous faut une petite porte d'accès. En voici une. Ah, il y a un conteneur là.
Mais c'est pas le conteneur qu'on cherche. On a un conteneur là. On peut l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Ça peut toujours payer un peu. On va pas se gêner. Alors, illégal. Commutateur. Ah. C'est illégal, donc on va peut-être pas risquer hein, non plus. Mais pourquoi pas plus tard en revenant, si on a le temps. Alors, on continue à suivre notre zone. Oui, bon. Pour le moment. Il faut pas oublier de regarder la batterie, hein, l'énergie à gauche. Bon, ça descend tranquillement là. Mais et à un moment donné, il va falloir recharger. Voilà, nous y arrivons. Conteneur 6. Il était où? Le voilà, conteneur 6, vous voyez. On y est. C'est celui qu'il nous faut. Eh non, c'est le conteneur 10 qu'il nous faut. Enfin, on peut regarder ce qu'il y a dans le conteneur 6. Ça coûte rien de regarder ce qu'il y a dans le conteneur 6. Il faut avancer un petit peu. Là, qu'est-ce qu'on a? Le sabre d'Anakin Skywalker. Non, ça ressemble à autre chose. Alors, l'anti-optique. Ouh. C'est aussi illégal, faut pas trop voler, mais ça peut être intéressant quand même. Alors ensuite on continue. Et bon. Regardez la petite étoile sur le radar, le petit flash là, vous voyez, clac, c'est un flash électrique là, bon ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Eh ben ça veut dire qu'on peut se recharger les batteries ici. Donc pour recharger les batteries, il suffit d'utiliser un petit outil que nous avons à notre disposition ici. Et hop là, c'est bon, c'est rechargé. Bon. Plus qu'à trouver une autre entrée. On va être par là-bas. Je pense qu'on est passé devant tout à l'heure. Il y avait des gardes. Quand il y a des gardes, c'est qu'il y a une entrée. Alors, il y a plusieurs moyens pour rentrer. Hein. Soit en... on attend que quelqu'un arrive et on passe. Soit, voilà, c'est niveau 0, donc c'est bon, pas de problème. On rentre comme à la maison, c'est open bar. Allez. Et on suit, bonjour monsieur, madame, pardon. Je cherche le conteneur 10, vous savez pas où il est? Non, j'imagine de toute façon que vous n'allez pas me le dire. Bon, donc faut que je trouve moi-même quoi, faut que je me démerde, merci. C'est quoi ça? Non, j'ai pas... Non. Y a pas une porte là? Non, il n'y a pas de porte là. Bon, on va essayer de voir par l'autre côté. Madeline Bright, bonjour Madeline Bright, administrateur, allô Jefferson, oui bonjour, allô Jefferson, un administrateur en plus, parce que généralement les administrateurs ils connaissent tout le monde, alors il doit se dire, c'est qui lui, c'est ça le risque quoi. Alors, bon, on continue à se balader, tiens, on arrive, room, voilà, on continue tranquillement, putain. Mais il va falloir ressortir de là après. Hein. Oh, dis donc, sympa les lits. Hein. Ça fait un peu claustrophobe, mais bon. C'est comme ça. Alors, on continue à avancer. Ah. Ouais. Ah, oui, mais non. Ça, c'est un casier. C'est pas le conteneur que je voulais. C'est conteneur 10 que je veux. Merde. C'est pas ce que je cherchais. Bon, faut que je trouve un ordinateur. Un Minitel. Il y a des Minitel. Il y en a un qui est pas loin pourtant. J'arrive pas à aller dans une autre pièce. Forcément. Bon. On va essayer de sortir de là. Sans se faire repérer. Hop, on va aller de l'autre côté là. Il y en a un par là, le Minitel. Là. Bonjour monsieur. Ah, c'est l'administrateur.
Oui, je suis nouveau ici. Ah, bah, vous n'êtes pas au courant de tout, monsieur. Hein. Vous pouvez pas, vous avez beau être administrateur. Vous pouvez pas être au courant de tout. Hein. Voilà. Voilà. Donc, mince. Conteneur 10. Are you, putain de conteneur 10. Liste du personnel. Installation. Habitation. Conteneur 10, habitation, dortoir. On y est, dortoir. Conteneur 12, casier 10. Et, mais non. Conteneur 10, nom de Dieu, le voilà. Allez. On ressort ou on ressort pas, je sais pas. Voyons. On va essayer d'aller par là. Par là. Tranquillement, tranquillement. On fait comme si. J'ai l'air décontracté, quoi. Là, il y a un casier. Non, c'est pas ça. Bon. Très clairement, le conteneur 10. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est les toilettes. Ah bah ça pas les toilettes, dis donc. Avec vue, on voit tout à travers. Bonjour la discrétion. Hein. Ah c'est l'armée. Hein. Tout le monde voit quand tu fais caca. Sympathique. Allez, on continue. De ce côté-là, c'est encore des caca. Ah non, c'est les douches. Oh dis donc. Et quand les filles se douchent là, alors c'est pareil. Et tout. On peut ouvrir ça? Non, on peut pas ouvrir. Hein. Non, on peut pas prendre de douche. Bon. Après, d'un autre côté, on n'est pas là pour ça. Hein. Donc, tout porte à croire que mon conteneur 10, administrateur qui se balade toujours. Oui, monsieur administrateur, je vous inquiétez pas. Hein, vous inquiétez pas, vous faites comme si vous ne m'aviez pas vu. C'est beaucoup plus simple comme ça. Alors, conteneur 10. Ah, là, il y a quelque chose là. Là. On y est, on y est, enfin je pense qu'on y est. On va tarder à y être. Hein. Hein? Ah! Forcément, puisqu'il est dans notre dos maintenant le conteneur 10. Donc il est forcément là le conteneur 10. Là. Là. Ah! Ça y est, je le vois. petit garnement. Tu t'étais bien planqué, hein? Voilà, alors on tape le code dans 9769. 9769. On ouvre, on récupère ce qu'on était venu prendre. Ouais. Hop, hop. Allez, voilà. Merci. Bon, et maintenant, on part vite, très vite. Bon, et on part très vite, hein. Et Projo là-bas? C'est là que notre navette Apex va nous attendre. Si on meurt pas d'ici là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va se planquer. Hein. On va se planquer là. Et on va appeler la navette Apex. On va pas traîner. Navette Apex. Te voilà. Réservation locale. Réservation locale pour retourner très loin, très loin, très loin. Allez, voilà. Allez, allez, mène-toi le cul. Hein. On n'a pas que ça à foutre. J'ai pas envie de crever, moi.
Et j'espère que c'est là qu'elle va se poser, hein. Ah, ben voilà. Dis-moi que c'est de là que tu te poses, hein. Oui, tu descends par là. Vas-y, vas-y, mène-toi, 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 parce que je suis pas tranquille là. Allez, 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 allez. Puis ça caille un peu dans le coin. Ouais, super. Bri-Luna, 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 je t'aime, Bri-Luna, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Allez, on rentre. On rentre chercher notre bien. Allez, et ben c'est reparti pour une grande balade. La même dans l'autre sens. Bon, là, forcément, il nous tire dessus un petit peu. Désolé, Bri-Luna. Pour ta peinture. Allez, allez, allez.
arrivons enfin à destination. Nous allons pouvoir récupérer notre bien précieux 55 000 crédits qui vont nous permettre d'acheter la si merveilleuse combinaison Maverick, laquelle nous ouvrira vers des missions beaucoup plus palpitantes. Et ça, bien sûr, ce sera pour un prochain épisode. Forcément, la station est derrière la planète. Bravo le taxi. T'auras pas pu gérer ça avant, hein. Ah, je te jure. Non, c'est bien, t'as bien géré. Frameship Drive. J'ai l'impression qu'ils ont changé ça aussi. C'est, on dirait des ovnis bleutés. C'est des, dans des bulles, quoi. En fait, c'est pas mal. C'est la métrique d'Alcubierre revue et corrigée, quoi. Oui, ils ont amélioré ça par rapport à Horizon et à Elite. Ça a quelques petites choses, les explosions. Sont plus jolies, elles sont pas plus réelles, il y a du feu dans l'espace. Elles sont plus jolies. Les boucliers aussi, on les les boucliers des vaisseaux réagissent mieux aux impacts. Allez, vas-y, envoie la sauce sur le bonanu bleu. Fais-nous une valse autour de cette station pour nous mettre juste en face de l'entrée, parce que forcément, on est arrivé sur le côté. Les IA ne gèrent pas les arrivées face aux entrées. Hopkins City. Merci d'avoir choisi Apex Interstellar. Enfin, c'est pas très interstellaire pour l'instant. Apex, je dirais. Apex Stellar. Phase 2, ça passera interstellaire, peut-être. Ils nous permettront d'aller chercher notre Super Sidewinder dans le système d'à côté. Après, ce sera quand, ça, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. Hop! On sort de la navette. Allez, on va regarder la navette partir. Hop là! Ah bah ça... Ça bosse chez Interstellar, hein, chez Apex. À peine elle m'a viré, elle va en chercher un autre. Bon, allez. Allons toucher la prime. On prend le super rapide ascenseur. On se retourne. Ah, pardon. Hyper rapide ascenseur. Super rapide, c'est pas assez. La 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 la. Bonjour tout le monde. Ça, c'était un joueur. Ça aussi. Alors, il y a des joueurs qui marchent bizarrement. Regarde, ils sont. On dirait. Regarde, il est. Ça, c'est un joueur, ça. Hein, tu vois, je sais pas. Bizarre, hein, on dirait un singe. Je sais pas si je suis comme ça, moi aussi, peut-être. Il y en a qui ont l'air plus droit. Oh là, faut pas se casser la goule, monsieur.
Monsieur ou madame? Monsieur. Alors, hop, mission terminée. On choisit le fric, évidemment. Oh, je viens de gagner un rang. Et voilà. Alors maintenant, on a des sous. On a plus de sous, hein. J'ai pas regardé. On a combien? 172 000. Pof, largement assez. On va pouvoir... Tiens, on va aller d'abord... Je vais regarder un truc. Parce que je crois qu'il y a un bug de ce côté-là. Non, c'est là. Inventaire. Consommable. Non, non, non. Ah non. Ah non, j'ai plus rien. Pourquoi t'es comme ça, là, t'es plié? C'est bizarre, hein. Je suis pas comme ça, moi. Je crois pas. Je suis comme ça, moi. Regardez. Pourquoi il est comme ça, lui? Moi, je suis comme ça, moi. Ah oui, je suis comme ça aussi. C'est bizarre, hein. Pourquoi je suis comme ça? Oh, allez comprendre. On est furtif. Ah, bon, ça se sera amélioré sans doute après. Hein. Bonjour madame. Vous devinez quoi? Je viens vous acheter une belle combinaison. Ah ouais. Une belle combinaison magrique. Parce que là maintenant j'en ai les moyens. Ouais. Alors j'ai acheté. Hop. Acheter la combinaison. Confirmé. Oui, bah, ils m'en font déjà. Voilà, bon, il me reste plus que 22 929 crédits, mais j'ai une combinaison maverick. J'ai quand même une sacrée gueule. Hein? Hein? Alors, les armes, on va attendre, hein, parce que là, j'ai plus un rond. Hein? Amélioration, vente de la combinaison. Ouais, vente de combinaison. Ah oui. Combinaison de vol. Combien tu me la reprends? Non, avec ça, c'est les améliorations. Amélioration indisponible. Vendre la combinaison, d'accord. Et là. Vente de la combinaison impossible, c'est normal, vous savez pourquoi? Parce que je la porte. Hein. Je vais pas me mettre tout nu devant la dame quand même. Vous avez pas de cabinet CH par hasard? Non, bon. Ce sera pour plus tard alors. Hein. Ah oui, les consommables. Medikit, ouais, ça peut servir. On sait jamais. Hein. Allez, on va prendre 4. Ah! Eh ben, on dirait que il y a un petit problème. J'espère au moins que j'ai toujours ma combinaison. Bon, on va vite le savoir. La joie des versions alpha. Bon, vous me direz, Elite aussi, des fois, ça le fait. Il y a un petit problème de réseau. Voilà, bon, bon, bon on est... On va retourner voir la dame. On peut déjà voir si on a toujours la navigation, transaction, cible. Tac, 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 commandant. Voilà, commandant. Alors, commandant, combinaison de vol. D'accord, ça c'est le commandant. Mais c'est pas ça que je voulais. Peut-être dans inventaire. Alors, dans inventaire, hein. Inventaire, consommable, composant, objet. En gros, je sais pas si j'ai la combinaison, quoi. Hein. Bon, on retourne voir la dame. Ah, oui, sinon je peux regarder sur un écran. On va aller voir l'écran. Bizarre quand même, hein. On a l'air à moitié furtif comme ça. Lui, il marche bien, lui. À un moment, je marchais bien aussi, puis maintenant... Bah ouais, je suis toujours comme ça. C'est bizarre.
Non, je tu veux pas non, tu veux pas te mettre droit? Droit. On dirait Fangio là. C'est le mec ah là là italiano. Ah, non, c'est très bizarre. Très bizarre. Si je saute comme ça, hein, hop. Non, je peux pas sauter. On n'a pas le droit de sauter dans les stations. On n'a pas le droit. Et pourquoi il veut pas? Alors si je mets ma copie et si je m'en mets droit, non plus. Donc un problème de dos peut-être. Hein. Un lumbago. Un lumbago. Bon, bref. On retourne sur voilà. La console. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, rien ça. Je crois que voilà, modifier la configuration, je peux aller là-dedans. Ouais. Ah si, je l'ai la combinaison Maverick, voilà. Combinaison Maverick. Hey. Ouais, mais il faudra que je sois dans une navette Apex pour la mettre, quoi. D'accord. Bon. Bon, madame, hein. Ça court dans tous les sens. Et Elite Odyssey. Je dirais que la première impression est plutôt bonne, hein, franchement. Surtout pour une alpha. Ça cartonne bien. Ça cartonne pas mal, ouais. Allez, sur ce, les rockers. Je vous laisse sur la même vue par laquelle on avait commencé cette vidéo. Une vue du spatioport. Allez, à la voyure.